Hey, salut tout le monde, salut Loki, comment allez-vous? Moi ça va super, on se retrouve sur la nouvelle map qu'ils ont mis sur cette bêta, Stronghold, voilà, en MME. Particularité, c'est que c'est une petite vengeance personnelle contre mon ami Smoke with Girl, salut à toi. Et c'était une petite vengeance personnelle, les gens sur le live ont trouvé que c'était une belle petite partie, donc du coup ils ont dit ouais pourquoi pas, vas-y mets-la sur YouTube. Et vu que c'est une petite vengeance personnelle, je me suis dit allez c'est parti, on la met. Et tout simplement c'était une très très bonne partie que j'ai kiffé. Franchement je déteste cette map personnellement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais pas que je la déteste. Elle est bien, mais franchement, c'est pas une map que je vais aimer, je sens, parce que elle est vraiment pas terrible. La map grouillère, comme dirait les gens sur le chat, et c'est une grande map. C'est totalement différent des trois autres maps qu'il y a, et c'est vraiment des petits repoints, un petit labyrinthe, comme moi j'aime bien dire. Et c'est franchement, ça n'a rien à voir avec les autres maps. Et elle est vraiment pas terrible. Mais sinon, niveau belle, on voit vraiment que le jeu est magnifique. Hein. Quand on voit ça, on voit vraiment que le jeu est magnifique. Là, niveau graphique, il est vraiment beau, ce Black Ops 3. On peut pas dire le contraire. Elle est belle, cette map-là. Mais bon, ça va pas être une map comme dans les anciens Call of, genre M2 et 3. Il y avait toujours une map qu'on détestait jouer et qu'on zappait tout le temps, mais qu'il y avait jamais personne dessus, que tout le monde rage quittait quand on tombait sur cette map. Non, ça va pas être comme ça. Je pense que ça va quand même être une map jouée. Après, c'est mon avis. Hein. Mais franchement, c'est pas une des maps. Les trois autres sont mieux. Franchement, j'aimerais vraiment que dans le jeu final, le jeu soit comme ça. Dans les trois autres maps, quoi. Pas ressemblant comme ça, mais ressemblant des trois autres maps. Si toutes les maps ressemblent tous en majorité comme les trois autres maps, je pense que ça peut être parfait, j'ai envie de dire. Mais comme une map comme ça, j'en veux qu'une ou deux. Franchement, après, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Je suis pas le seul, même dans le chat du live, tout le monde pense la même chose. Donc voilà. Donc c'est un gameplay avec je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette arme là. Moi elle me fait grave penser à la M4 de Black Ops 2, justement au niveau design. Elle est vraiment pas mal, moi je l'adore. Elle est belle. Le camouflage est plutôt beau en fait, genre doré comme ça, un peu bronze et tout ça. Elle est vraiment pas mal comme arme. Moi j'aime bien l'utiliser. Et donc voilà. Donc on perdait là pour l'instant, on avait 11, ils avaient 17, mais je vous dis pas, c'est un petit carnage, hein, ça sinon je vous l'aurais pas mis, ça aurait pas été un carnage, hein, je vais pas quand même mettre un gameplay où je me fais humilier quand même, ça serait un peu con, à part dans les rediffs de life, mais bon, vous allez voir, c'est vraiment une très très bonne partie, j'ai kiffé franchement. Malheureusement je l'ai pas croisé souvent comme j'aurais voulu Smoke with Girl, mais franchement, son équipe, je sais pas si c'était ses potes à elle, mais il y en a un ou deux qui m'ont fait bien chier, ça c'est vrai, je dois vous l'avouer. Mais sinon, ça a été une bonne petite partie dans l'ensemble, que j'ai apprécié, que tout le monde a apprécié dans le live, donc voilà. Et j'ai fait une de ces belles actions, vous allez voir juste après. Je sais plus c'est quand, le moment de la vidéo, là on est à 4 minutes, presque à 4 minutes, à 20 secondes de 4 minutes. Et j'ai fait une de ces actions, j'ai pas fait attention si c'était sur ma pote ou pas, mais c'était une action de fou, franchement. Bon, je me vends un peu, c'était vraiment pas exceptionnel, mais bon, je me vends un petit peu quand même, il faut bien. Parce que dans le chat, dès que j'ai fait ça, c'était ouais, GG, donc voilà. Là, je me vante un petit peu, du coup il faut bien dans la vie se vanter un petit peu, même si c'est pas extraordinaire, hein, tant que c'est pas abusé, il faut bien se vanter un petit peu, donc voilà. J'espère quand même que de son côté ça lui fera plaisir, la petite dédicace quand même. Là le truc retournement, c'est vraiment c'est pas abusé, quoi. Enfin si, des fois c'est grave abusé, tu le tues. Enfin, t'essaies de le tuer et après tu sais plus où ce qu'il est là. Ça va, j'ai un coup de chance. J'ai vu où ce que la ligne bleue, où ce qui s'y retournait. Donc voilà, c'est vraiment pas. Les spécialistes sont vraiment pas abusés. Comme l'autre, la contre réanime. Franchement, maintenant, j'arrive plus à l'utiliser. J'y joue plus, franchement, parce que tout le monde connaît maintenant. Donc du coup, tout le monde me tue avant que je me réanime. Donc vraiment, c'est vraiment pas. C'est vraiment pas abusé. Les spécialistes, c'est vraiment une bonne chose. Les spécialistes, ça diversifie un petit peu
les parties et chacun a son style de jeu comme ça. Voilà. Par contre, le Sneaky là, je vais le croiser beaucoup. Hein. Lui, c'est celui-là qui va me faire chier tout le long de la partie, hein, franchement, sérieusement. Bah oui, du coup, vu qu'il y a ma pote, même si c'est pas celle qui connaît, même si elle les connaît pas, automatiquement tous les pseudos de la partie, je lui dis ah c'est pas elle, donc du coup tous les pseudos je vais les retenir du coup. Donc celui-là il m'a tellement tué qu'il m'a fiché tout le life, franchement, enfin pas tout le life mais toute la partie. Mais donc voilà, tout simplement, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Cette mame là elle est dans la neige, franchement. Ah là voilà. Je l'ai tué. Elle a su rien faire. Elle a même eu peur. Elle a quand même viré son regard de l'autre côté, pas sur moi. Elle a eu peur. Elle a dit oh, attention, je vais partir. Hein. Peut-être qu'il m'a pas vu. Je vais me barrer de l'autre côté. Peut-être qu'il va pas me voir. Mais non, voilà. Le petit troll, voilà. Hein. Écoutez, tout simplement. Il faut bien un petit peu de troll, hein, il faut bien s'amuser. Et franchement, encore une fois, je vous le dis encore, n'hésitez vraiment pas à venir sur les lives. On commence à devenir un petit peu plus nombreux, mais tout doucement, hein, on commence. Je dois être maintenant à 128 followers à l'instant où je vous parle. Je sais plus exactement à combien, je peux regarder sur mon iPhone maintenant. Mais franchement, c'est vraiment cool, on passe des super bons moments. D'ailleurs, à chaque live, je fais minimum un défi sur Black Ops 3. Du coup, je fais un défi. Hier, je devais faire une partie au sniper sensibilité maximum, donc 14. Et après, je l'ai fait à la mitrailleuse pour les autres qui ont demandé. Le premier défi, c'était au sniper. Et après, c'était sensibilité 14 à la mitrailleuse. D'ailleurs, je vais vous proposer ce gameplay-là demain ou après-demain. C'était une bonne petite partie quand même, un bon petit défi. Donc du coup, n'hésitez pas à revenir sur les lives. Vous proposez-moi des défis et je teste comme d'habitude les armes pour vous. Et encore des gens qui arrivent et qui me demandent le fusil à pompe. Le fusil à pompe est beaucoup demandé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, le fusil à pompe est grave demandé à chaque fois. Tout le monde vient sur mes lives et tout le monde me demande. Et ça va être là. Et attention, regardez la triple kill à l'arc. Franchement, c'était un pur kiff. J'étais surexcité sur le live. Tout le monde était waouh. Et j'ai pas fait attention. Je regarderai après pour voir si c'était sur ma pote. Mais si c'est sur ma pote, j'ai pas fait attention. Franchement, il faut que je regarde après. J'ai pas fait attention là. Ça a été trop vite. Mais je regarderai après si c'est sur ma pote. Oh, ce que je t'ai mis, franchement. Enfin bref, c'était vraiment un boom petit. Une belle petite triple là, j'ai vraiment aimé. En plus l'arc c'est vraiment trop stylé, j'adore l'arc. Franchement c'est une bonne petite arc, bonne petite arme surtout. Et franchement il est vraiment sympatoche comme arc. Il faut savoir l'utiliser quand même. Donc voilà. Encore un prédateur sur elle, hein, toujours et toujours sur elle, hein, que j'ai envie de vous dire. Je suis à 124 followers sur Twitch. Voilà, je l'ai sous les yeux. Donc du coup, n'hésitez pas à venir. Franchement, c'est plutôt cool. On s'entend tous bien sur le chat. Franchement, c'est bien cool. Donc comme d'habitude, tous les jours là, sauf qu'aujourd'hui il est déjà il va être 3h, mais j'ai préféré commencer un petit peu plus tard. J'ai fait quelques trucs avant et je vous fais cette vidéo avant. Je vais même faire la vidéo avant et après, de toute façon, tranquillou. Comme vous avez vu, maintenant il y a la nouvelle map. Ils ont fait une mise à jour normalement pour les déplacements. J'ai pas fait attention au niveau déplacement, mais ils avaient dit les déplacements, les connexions de partie. Ils ont techniquement amélioré ça. Et on peut monter jusqu'à niveau 34. Maintenant je suis niveau 33, donc ce soir je vous monte niveau 34. Maintenant au lieu de niveau max 28, maintenant on peut monter jusqu'au niveau 34. Donc ça c'est bien, plutôt cool. Juste en face à face. Là vous allez voir dans la rediff la semaine prochaine. Ah là là, en face à face, j'étais chaud. Hein. Et sérieusement j'étais chaud. Hein. C'est rien d'extraordinaire, hein. J'avoue, hein, je me vante pas avec que c'est extraordinaire. Mais franchement, face à face, elle a rien su faire, hein, pour le coup. En face à face. Donc là d'ailleurs que je parlais vite fait, petite parenthèse, du truc quand on se téléportait en A. Là j'ai pas trouvé ce qu'il était, donc du coup j'étais désorienté. Mais du coup voilà. Mais sinon, en face à face, elle a rien su faire. Là, oh c'était un pur kiff. Donc voilà,
Je prétends pas qu'elle est nulle, hein. Au contraire, hein, c'est une... elle est très forte, hein. C'est pour ça que je me vante, hein, justement, Aljuka, dans ce soir, ce moment-ci, d'ailleurs. Donc du coup, elle a un entraînement sur Call of. Moi, j'ai plus d'entraînement sur Call of, c'est vraiment les 5 jours où je joue à Call of. Ça faisait longtemps que j'avais plus joué à Call of, sérieusement, autant. En tout cas, j'ai jamais joué, ça faisait un long temps que j'avais plus jamais joué autant à Call of. Franchement, la dernière fois, c'était sur PS3, je crois, que parce que sur Ghost et Advanced Warfare, j'y joue un petit peu de temps en temps, tout seul. Une petite heure ou deux, mais sans plus. Donc voilà, c'est vraiment le maximum que j'ai eu. Donc voilà, petite partie terminée. Je termine par un 26-16. C'est pas extraordinaire, mais cette fois-ci, on a gagné. Je l'ai bien défoncé, voilà. Tranquillou. Juste avant, on avait fait une partie contre elle, mais... j'ai fait un bon score, mais malheureusement j'avais une équipe de bras cassés, donc on n'a pas su la battre, donc du coup je voulais pas proposer, mais en tout cas c'est, on l'a battu, j'ai fait un score positif, elle a fait un score négatif, donc du coup c'est tout le but. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas au petit like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait super plaisir. On se retrouve tout à l'heure pour un live, comme d'habitude, et pour demain une nouvelle vidéo, et encore petite dédicace à ma petite Smoke de sa présence dans cette vidéo, même si elle avait pas trop le choix d'ailleurs, hein, c'est vrai, mais voilà, sache que je te considère comme une grande sœur, tu le sais très bien, et donc voilà, au lieu de m'agresser comme ça et toujours vouloir jouer avec ta team, donc voilà, allez, ma vengeance a été là, bisous à toi et je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine, demain gameplay défi sur la chaîne à la Kuda, voilà, allez, ciao tout le monde.